Oh, c'est ça, c'est ça. Bonjour, monsieur Delisle. Docteur Michaud. Ah, bonjour, docteur. Donc, quand est-ce que vous allez... Pas mal du tout. Donc, oui, mais quand est-ce que vous allez m'enlever ça? Moi, je commence à en avoir plein les yeux de ce bandeau-là. Vous n'avez pas enlevé toujours? Non, non. Vous n'avez pas? Non, non, pas ça, c'est parce que je me suis endormi, j'ai dû me gratter un peu parce que j'ai... T'as pas solide, je... Ça va mieux le faire comme ça. Docteur. Si vous m'enleviez le bandeau, je verrais. Certainement. Vaut mieux pas. On comprend tout gâcher. Attendons. J'attends vous voir ce soir. Ou le matin. Restez bien allongé sur le dos, c'est très important. Si. L'alphabet braille. Quelle raison alors de le voir? Je faisais en sa compagnie. J'avais de l'amitié pour lui. Je l'aimais aussi. Oui, je l'aimais. Et lui m'adore. Et c'est parce que je ne lui ai pas avoué cet amour. C'est parce que je lui ai expliqué longuement que ce sentiment était impossible entre nous. L'accident s'est produit. Il était atrocement bouleversé, peiné. Il conduisait très vite. Oh. N'empêche que si tu ne l'avais pas vu. C'est vrai. Mais il y a comme ça par le monde des milliers de couples qui ne s'étaient pas vus. Mais ils se sont vus, Gérard. Ils se sont vus. Et rien ne fera qu'ils ne se soient pas vus. Que comptes-tu faire? Je pense que dans les circonstances, ton retour en France a une excellente solution. C'est possible. C'est certain. D'ailleurs, je partirai avec toi. Simone est là depuis 2 mois. Je suis exténué. Un mois de repos ne sera pas exagéré. Nous pourrons partir quand tu le voudras. J'attends mon passeport aujourd'hui ou demain et j'aurai tenu 2 billets sur l'avion de lundi prochain. Quand dois-tu donner ta réponse définitive pour les billets? Dans 2 jours. Pourquoi ne te décides-tu pas immédiatement? Je te dirai ce soir si tu pars. Bon. Bonjour. Bonne journée, René. Ne te fais pas trop de chagrin. Tu sais où fonce. Que le médecin va donner son diagnostic. Oui, ce soir. Ce qu'on en aura vécu, des heures épouvantables depuis quelques mois. Ce qu'on en aura vécu. On jurerait, ma parole, qu'il y a un mauvais sort sur cette maison. Mais on jurerait. Oui, maman, il faut dire que pendant des années, on a été passablement chanceux. Oui, regardez autour de nous. Regardez les maisons qui ont été épargnées. Oui, regardez. Du bonheur et des joies, il y en aura encore, madame Delisle. Je vous jure qu'il y en aura encore. Vous dites ça, Lise. Oui, je dis ça. Je suis sûre de ce que je vous dis. Maman, voulez-vous, on va aller prendre l'air un peu. Oh non, non. Ah, alors tu viendrais, toi? Oui. Alors vous venez. Oh non. Mais venez, ça va vous faire du bien. Allez. Mais ton père, où est ton père? Il dort dans le boudoir. Oh, le pauvre. Il n'a pas dormi 5 heures depuis 2 jours. Allez. Bien, j'ai vu. J'ai vu les ajusteurs de votre compagnie d'assurance. Ils sont prêts à payer tous les dégâts au-dessus de 100 dollars. Étant donné les stipulations de votre propre contrat. Non, mais parce que je pense que j'allais un peu vite. Eh bien, ils le pensent aussi. étant donné qu'ils sont prêts à payer, alors c'est ce qui importe, n'est-ce pas? Comme ça, M. Gravé, vous voyez Monique?
Bien oui. De temps à autre. Vous faites bien, je comprends. Parce que moi, je la connais. Hein. Je peux vous dire que c'est quelqu'un. Oh, voyons, Louis. Bon, je sais de quoi je parle. De qui il parle surtout? Vous, j'ai bien confiance en vous, alors. Je pense que ça me fait plaisir de vous voir ensemble. Enfin, de vous voir, c'est une façon de parler. Je vous remercie, monsieur Deville. Moi aussi. Je vous remercie, oui. Oh. Si, c'est drôle, elle met le fait d'avoir un bandeau comme ça sur les yeux, je sais pas, mais on peut dire plus facilement le fond de sa pensée. Parce qu'on voit pas la réaction des autres. Oui, ça, oui. Quoique, je sais pas. C'est peut-être parce que... on a l'impression que c'est autres qui vous voient pas. Ça doit être ça. C'est un peu comme le courage des auteurs de lettres anonymes, ça. Je m'en viens profond, moi, là. Il est temps que j'enlève ça, parce que si ça continue, les gens me reconnaîtront pas. Bon, ben, je vais m'en aller parce que il faut que je retourne au bureau. Et moi aussi, malheureusement, je dois filer. Alors, merci tous les deux de votre visite. J'espère que vous allez sortir d'ici bientôt. Moi aussi, j'espère. Et puis, si t'as besoin de quelque chose, gêne-toi pas. Hein? Il n'y a pas de melon, la lecture. Vous blaguez, mais je pense bien qu'avant longtemps... c'est évident, voyons qu'avant longtemps, je... C'est évident. Bon. Merci tous les deux de votre visite, et puis... si vous voyez que je colle ici, ben revenez, hein? Oh, sûrement. OK, bonjour. Au revoir, monsieur Deville. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Louis. Et bonne chance. Bye. Ouais. Au revoir. Plaisir de vous entendre, Manet. Madame Gravé. Madame de... Oui. Alors, est-ce que c'est grave? Bien, la cécité actuelle de votre fils... Est-ce que vous voulez dire, docteur, que mon fils, Louis, est aveugle? J'ai bien dit la cécité actuelle, monsieur Deville. Rien d'encore de définitif n'est encore... Non, ce n'est pas vrai, docteur. Louis n'est pas aveugle, ce n'est pas vrai, docteur. Ne vous mettez pas dans tous ces états, madame. Le sort de votre neveu n'est pas si terrible que cela. Docteur, messieurs, je vous les donne. Pouvez-vous les greffer? Voyons, Charlotte. C'est à moi, ces yeux-là. Je peux en faire ce que je veux. Pouvez-vous, docteur? Votre geste est très beau, madame. Oh, ce n'est pas par beauté que je fais ça, docteur. Par amour. Dans cette condition-là, une greffe est impossible. Si c'était une cornée... Est-ce qu'il y a une intervention chirurgicale possible, au moins? Mais oui. Votre fils restera allongé une semaine ou 10 jours. Et si la rétine reprend sa position naturelle, nous pourrons alors la fixer par électrocoagulation. Et ensuite, tout ira dans l'ordre normal. Oui. Et si la rétine ne reprend pas sa position naturelle? Si la rétine ne reprenait pas sa position naturelle... Est-ce que je dois comprendre, docteur, que mon fils va être aveugle définitivement? Est-ce qu'il le sait? Absolument pas. Je vous avais promis que vous seriez le premier à être prévenu. Le bandeau dont vous parliez, est-ce que c'est encore nécessaire, ça? Non, pas du tout. Ça l'empêche de se rendre compte. Aucun inconvénient à le lui laisser. Je vous demande pardon, mon cher monsieur, mais j'en vois un inconvénient, moi, et un grave. Et lequel? Est-ce que vous croyez qu'on a le droit en ce moment de lui jouer la comédie? Hein? Vous en faites pas, mon cher docteur, je vais lui parler, moi. Vous avez peut-être raison. Oui? C'est vous? Oui, c'est moi. Vous n'êtes pas blessé, hein? C'est vrai que vous n'êtes pas blessé, hein? Oui, non, un petit rien à la main, c'est tout. Montrez-moi. Enfin,
Donnez-la moi. Ça vous fait mal? Non, un peu sensible. Mais vous? Oh, moi. Je vous demande pardon de m'être conduit. Enfin, d'avoir conduit comme un imbécile. Vous avez mal? Non. Vos yeux. Je suis aveugle, René. Le médecin vous l'a dit? Il m'a rien dit. Personne ne m'a rien dit. Mais alors, comment savez-vous? Ce matin, j'ai soulevé le bandeau. Je voyais rien. Je me croyais en pleine nuit, alors. J'ai allumé la lumière, je voyais rien. J'ai su plus tard qu'il était 8h30. Enfin, quand je vous dis que je me suis couru en pleine nuit, c'est pas tout à fait exact. J'ai essayé de me faire croire, mais j'ai bien reconnu les bruits du matin. Mon pauvre petit, mais si on ne vous en pas averti, c'est peut-être parce qu'ils ne savent pas encore, mais cela est possible, Louis. Non, non. Non. Simon a rien dit, c'est peut-être parce que c'est difficile à dire. Alors, ils vont laisser le doute s'installer doucement en moi. Puis l'inquiétude, puis ensuite la peur, et puis la certitude, puis il ne leur reste plus qu'à confirmer ce que je ferai déjà. Asseyez-vous, René. Asseyez-vous tout près, tout près, tout près de moi. C'est la seule façon que j'ai de vous voir maintenant. En partez-vous. Je ne sais pas. Il ne faut rien changer à cause de moi, hein. Si vous le vouliez, je ne partirai pas tout de suite. Si je le voulais. Mais oui, j'attendrai que vous soyez guéri. Je partirai quand vous verrez. Et si je ne vois jamais? Je ne partirai jamais, si vous voulez. Je regrette, René, mais je comprends pas. Louis, m'aimez-vous toujours? Non, ne parlez pas de ça. Pourquoi? Non. Pourquoi pas ça? Non. Non. Si vous m'aimez toujours, vous m'aviez dit vous m'aimez. Alors, si vous m'aimez toujours. Non. Et si vos yeux restaient, j'accepterai d'être. Non, pas ça. Pas ça, pas vous, pas ça, pas ça. Non. Ce que vous m'offrez, non, ce que vous m'offrez, c'est votre compassion. Alors, non, ce que vous me dites là, ça me déçoit beaucoup. Parce que vous n'êtes pas de cette race-là, René, moi non plus d'ailleurs. Non, non. Vous n'avez pas compris. J'ai compris que vous accepteriez d'être ma femme si je reste aveugle. C'est non la pitié qui vous guide. Oui, c'est peut-être la pitié. Alors vous voyez, vous la reconnaissez vous-même. Oui, c'est peut-être la pitié, mais à mon endroit. Non, tout de même, René, tout de même. Vous ne m'avez pas habitué à tant de détours. Alors pourquoi commencer aujourd'hui? Pourquoi? Eh bien, si vos yeux restent et que nous vivions ensemble, eh bien, je vieillirai à votre insu. La vieille femme que je deviendrai, alors que vous serez encore dans la force de l'âge, vous ne la verriez pas. Mmh. Je garderai dans votre mémoire âge que vous connaissez aujourd'hui, ma voix, ma douceur aussi, mon affection, ma tendresse pour vous, ne changeront point, ou alors, elles iront croissant. Cette offre, je ne vous la fais pas pour vous, je vous la fais pour moi. Vous auriez eu honte de moi. Non. Oh, non, peut-être pas honte, mais vous auriez été mal à l'aise et gêné. Je vous l'ai déjà dit, d'ailleurs. Tandis que maintenant... René. Là, je vous reconnais. C'est vous, ça. Et je vous crois.
Je vous crois de toute ma foi, de tout mon amour. Vous dites vrai, hein? Bien sûr. Faut pas me tromper, parce que moi, je vous crois, je vous crois, je comprends votre point de vue, je sais que vous dites vrai, je sais. Oh, si vous voulez, nous laisserons passer le temps. Et puis quand vous serez exactement... René. Non. Non. Je me souviendrai éternellement des paroles que vous venez de prononcer, mais... C'est pas possible. Mais pourquoi? Vous avez peur de moi? Oh non. Non, mais c'est parce que je serai un poids pour vous. Si, je refuse d'être un poids. Non, vous ne serez pas un poids, Louis. Ou alors, si vous êtes un poids, ce sera un poids de bonheur. C'est agréable serai... à porter un poids de bonheur. Je serai un poids. Si. Et un poids quel qu'il soit, quand on le porte longtemps, devient de plus en plus lourd. Et justement, malgré tout votre amour, je serai de plus en plus lourd. Je serai au-dessus de vos forces. Non. Quand je vous disais la même chose à mon propre sujet, vous m'affirmiez le contraire. Et avec quelle force affirmiez-vous? Non. Ne parlez plus de ça. Parce que je ne changerai pas d'avis, je ne changerai certainement pas d'avis. Si vous m'aimez un peu, vous ne me parlerez plus jamais de ça. Je considérais que vous m'aimez dans la mesure de votre silence. Oui, nous surprendre, Suzanne, écoute, mets-toi à sa place, aveugle. Oui, mais c'est pas définitif, c'est pas certain. Il reste un espoir. Dans ce cas-là, pourquoi papa se presse-t-il tant de l'esprit? Ça, il veut simplement le mettre au courant de la situation exacte, je suppose. C'est peut-être aussi parce que ton père connaît mieux son fils que toi, ton frère. C'est-à-dire? Ben, j'ai l'impression que Louis pardonnerait pas qu'on trompe. Ça va lui faire mal, c'est certain. Et je crois que c'est le bonhomme à qui il faut parler franchement. Vous ne pensez pas? Oui, c'est peut-être vrai. Dis donc, Christian, as-tu eu des nouvelles? Oui. Qu'est-ce qu'il devient? Oui, il est parti. Quand? Il m'a écrit. Une semaine avant mon tour. Où est-il parti? Il embarquait sur un bateau. Oh, il voulait voir le monde, qui me disait. Cherche un endroit qui lui plairait. S'y fixer, peut-être. Pauvre Christian. Pas de la peine. C'est un bonhomme pas mal extraordinaire. Oui, pas mal extraordinaire. Un sens de la justice, jusqu'en être malheureux. Une soif d'absolu. J'espère qu'elle a découvert un pays. C'est ça qu'il lui fallait, lui. Puis à maison, comment ça va? À la maison? Ça va très bien, très bien. Tante Charlotte. Charlotte? Charlotte, si tu veux le fond de ma pensée, mon Louis, elle est bonne pour nous enterrer tous. Ah oui, mon oncle est venu hier, il avait l'air bien. Enfin, du moins, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Oui, il a l'air bien, toujours jovial. Un peu amaigri, mais... Ah ça, j'ai pas pu m'en rendre compte. Papa. Oui? Pourquoi vous forcez-vous à la gaieté? Je me force pas à la gaieté, moi, Louis. Si. Je demande ce que tu vas chercher là. Vous vous forcez à la gaieté, du moins à l'insouciance. Vous savez, ça a du bon de ne pas voir clair, parce que... on se fie rien qu'à la voix, puis... c'est facile d'en déceler les intonations fausses. Bien sûr, mon Louis, que je ne m'efforçais pas à la guider. C'est quelque chose, vous savez, la voix pour la vérité des contacts humains. On dirait que vous parlez avec une boule dans la gorge. Je suis un petit peu inquiet, mon Louis. Ah oui? Mon sujet? Oui, c'est à ton sujet. Bon, papa, vous avez peur, mais... mes yeux... c'est grave? Non, le médecin a dit que dans une semaine, dans 10 jours, tout au plus, ce serait très bien. Ah bon? Non, mais je veux dire, aujourd'hui, là, si on m'enlevait le bandeau,
que je verrai. Oh, je pense que non, mon Louis. Non. Mon médecin m'a dit que dans une dizaine de jours, comme je te dis. Ok. Ok, papa, ok. Tu souris? Oui, parce que j'ai eu peur. Bien sûr que j'ai eu peur, moi aussi. Oui. Donc, oui, comme je te dis, le médecin a une immense confiance. J'ai peur que vous mentiez. Parce que je sais, papa. J'ai soulevé le bandeau ce matin. Et je vous remercie de ne pas avoir succombé. Ça devait être tentant, hein? Tu sais, mon Louis, que tu peux t'en tirer très bien. Justement, le médecin espère. Et alors, je suis sûr, moi, que tu vas guérir. Oui. Ou pas que tu l'oublies, hein? Non, je l'oublie pas. Mais ce qui compte, dans le moment, papa, c'est... Oui, pas moi. Ma vie de la vérité. Ici Geneviève Rossier. Ce soir au point, Microsoft consolide et étend son monopole, ses concurrents canadiens s'impatientent. Et pour la première fois, le Canada se repeuple davantage par l'immigration que par les naissances. Après la pause, Véronique Cloutier vous invite à chanter en écoutant La Fureur.